Mesure inédite en France dans la lutte contre les départs pour le djihad. 6 personnes se sont vues confisquer leur passeport. Ces hommes et ces femmes âgés de 23 à 28 ans étaient sur le point de rejoindre la Syrie d'après les autorités. C'est donc la première fois qu'une interdiction de sortie de territoire est appliquée. Une mesure phare de la loi antiterroriste votée en novembre dernier. 40 interdictions supplémentaires sont en cours de préparation. Le profil, ce sont essentiellement des jeunes. Parfois des convertis, 20% de convertis, qui sont tentés de s'engager dans des opérations terroristes. Nous avons suffisamment d'éléments qui témoignent de cette volonté et l'interdiction administrative de sortie du territoire permet de les protéger de ce basculement. Ces candidats présumés au djihad ont été repérés par les services de renseignement, des jeunes séduits par ce genre de vidéos postées par des djihadistes français depuis la Syrie. D'après Matignon, plus de 400 Français seraient actuellement sur place. Au total, dans l'Hexagone, 1400 personnes sont liées aux filières d'envoi de djihadistes.